Alkin Télévision a tosa liboso ya palais du peuple et longo na ba assistant parlementaire tomoni bango baza agité baza debout. Nous voulons savoir au juste et loko nini ezo leka. Bonjour papa. Bonjour madame. Okoki komi présenter. Baza assistant parlementaire Alexandre Kassongo. Papa Alexandre Kassongo, qu'est-ce qui se passe? Tozomo na bino debout awa. Toye awa ko réclamer salaire na biso ya 8 mois. Tozo fout bazo fouta biso té. Et pas monsieur Mboso. C'est pourquoi nous avons dit aussi l'obito za ki awa to pe le lona tongo to réclamer mbongo na biso. Mais to yo réclamer mbongo Mboso na kimui bina ye azoko ka kufuta mbongo té na kana mita ko ti awa a détourner mbongo na biso ba sa parlementaire a tindi ba garde du corps na ye. Babeti ami na biso amor. Babeti d'abord lobby et puis babeti le tsuna miso ba tonyo so en plein air. Donc bino boy ko senga mbongo na bino ba kamati babeti ezali bongo. Oui oui, eza bongo. To nani babeti yo? Ba policier. Oh ba tie liboso ya palais du peuple pour na ko interdire entrer na biso. Lobby na zo ki d'abord choc na niveau ya lokolo et lelo na lobby ki bon na za na mo problème mo ya choc ba sali ba scandale tala ndenge eza boye. Moi, ma pota, ma ninoana, ce n'est pas vraiment sérieux. Et c'est pas ici que j'ai sauté. Je te dis la vérité, nous sommes venus ici pour réclamer notre salaire. Que M. Mboso a déjà détourné notre salaire. Et nous avons dit non. Parce que quand Mabunda était ici, les autres disaient que Mabunda était de nous bloquer. Ils ne veulent pas que l'Union Sacrée puisse fonctionner. Mais maintenant, aujourd'hui, Mabunda n'est pas aux affaires. C'est Mboso, il est là, mais il ne fait absolument rien. On a réclamé notre argent depuis hier. Mboso nous a dit toujours des mensonges qui ne contredisent jamais. C'est pour ça que nous réclamons notre salaire et notre nomination comme assistant parlementaire. Parce que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, sur l'article 5 et 8, nous donne cette autorité et cette force de réclamer notre salaire auprès de président Mboso. Mais si nous comptons 8 mois, Mboso n'est pas au pouvoir pendant 8 mois. Donc c'est depuis Mabunda. Pourquoi vous avez choisi seulement maintenant après l'installation du bureau définitif pour réclamer, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous instrumentalise? Rien du tout. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est notre conscience est tranquille. Le président Mboso, c'est un président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas pour la majorité ni l'opposition. Lui, il est président de tout le monde. Il hérite des passifs et l'actif maintenant que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons réclamé notre argent. Nous avons bien parlé avec Mboso depuis quand il fut président du bureau d'âge. Nous avons soumis notre cahier de Mboso a accepté tout, il va nous payer. Mais, fort curieusement, dès qu'il est passé au bureau définitif, Mboso, il n'écoute absolument rien. C'est pourquoi, vous le voyez ici, nous ne sommes pas manipulés, nous sommes des responsables, nous sommes des parents, et nous faisons des choses comme nous avons prévu. Ok, bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous faites partie du FCC, n'est-ce pas? Non, évidemment non. Quel est votre souci? Si je suis ici, vous me voyez transpirer comme ça. Je suis en veste, sous soleil, je transpire comme ça. Parce que j'en ai marre. Le bureau déchire ici, le bureau du président Mabunda. La dame est partie avec nos 8 mois de prime. Elle est partie avec. Elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. J'ai rien touché pour cette année. Je suis un père de famille. J'ai des gens que je dois des responsabilités. Mais je fais pratiquement 90 jours. Je ne touche pas. Mais je travaille chaque jour. Je suis un collaborateur direct de mon député. Je suis reconnu. Mais comme si tout cela ne dit rien au bureau. C'est tout le monde qui est payé depuis le mois de janvier jusqu'au mois de février. Mais moi, comme vous me voyez là, ma part, je ne vois pas. C'est, voilà pourquoi on est là. Hier, on était là. On a même rempli l'affaire d'audience. On devrait nous recevoir aujourd'hui. Mais on arrive, on trouve des jeunes gens, des policiers qui nous disent non, il n'y a pas l'entrée, aucun assistant ne va entrer. C'est depuis 9h qu'on est sous soleil là. Et ils ne veulent pas nous recevoir et on ne sait pas pourquoi. Ils ne vous instrumentalisent pas, il n'y a pas d'ennemi derrière vous parce que c'est l'information qui circule. Non, évidemment que non. Moi, je ne suis pas payé. Et pourquoi je vais attendre à ce que je sois instrumentalisé pour venir réclamer mon droit? Non, en aucun cas. En tout cas, je ne sais pas.
D'où vient cette information-là? Je ne sais pas si je vais devoir l'appeler information. Moi, je ne sais pas. Mais moi, comme vous me voyez là, je suis venu réclamer mon argent qui me revient des droits. L'enveloppe a été décaissée. C'est tout le monde qui a touché, sauf les assistants. Et ça a été toujours comme ça avec les bureaux Mabunda. Et c'est le même système qui reprend. Plus pire encore. Je vais ajouter. Vous-même, vous savez que le président Mbosso ici, nos amis du FCC, lui a traité d'un Judas. Et nous le traitons d'un diable. Parce que comment il peut se présenter, il est président de l'Assemblée nationale, là où il ne parvient pas à songer à nous payer notre argent. Nous nous sommes quittés au niveau de la base. Nous sommes restés à Kinshasa. Nous payons des maisons, nous payons les études des enfants, mais Mbosso ne songeait pas à nous payer jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais là, vous parlez, vous le traitez de Jida parce qu'il a trahi le FCC. Donc, le FCC derrière vous pour déstabiliser le bureau Mbosso. Nous vous disons très bien, madame, ne cherchez pas à nous embrayer. Nous avons dit la vérité que nous ne sommes pas manipulés, nous sommes adultes. Même vous, quand vous faites votre travail, quand on ne vous paye pas, est-ce que tu dois dire que tu peux réclamer votre argent, tu dois dire que vous êtes poussé? Il ne faut pas chercher à compliquer, aller midi à 14h. C'est très simple. Nous sommes venus ici. Notre conscience est tranquille. D'accord, merci beaucoup. Je veux un élément sur ce que vous avez posé à mon collègue par rapport au ce que la série de communication a fait hier comme communiqué. Vous savez que je dois rappeler à ce petit monsieur qui est coordonnateur, soi-disant coordonnateur de la cellule. Il sait pourquoi monsieur Pissu-Romain Roland était à la prison. C'est à cause de mensonges. Alors, je dois encore lui rappeler d'Abraham Lokoban, qui était le directeur de cabinet de la presse présidentielle. Il était viré pourquoi? Parce que c'est toujours en voulant laver l'image de son chef, même quand il ne faut pas. Alors, nous lui avons promis, bientôt Mbosso va partir. Qu'il sache bien qu'il va aussi partir. Il n'y a personne qui est derrière nous. C'est une façon d'importuner nos députés, de les traiter, ce sont les députés FCC qui sont en train de nous manifester, de nous donner des moyens pour se manifester. C'est notre droit. On est assistant. C'est notre droit de réclamer. Et ce fameux cellule de communication doit partir avec Mbosso. Si Mbosso n'arrange pas avec les assistants, c'est ce que moi je peux dire. À ce petit gamin de la CEDEAO. Vous-même, vous savez bien voir, nous sommes devant le palais du peuple, nous sommes entourés d'assistants parlementaires. Vous-même, vous entendez très bien les cris d'alarme qu'ils lancent. Vous avez un message, le président est où? Le président de parlementaire, il est parti? Oui, il est parti. Ok. En tout cas, Eza Passimingi, vous avez ajouté? Oui, le message que vous lancez au gouvernement. Bon, nous, ce que nous réclamons, ça fait au moins 3 mois que nous ne sommes pas payés. Les salaires ont un caractère alimentaire tout d'abord. Si nous ne sommes, si sommes pas manipulés, ou bien il y a une main noire qui nous pousse. Nous sommes là pour réclamer notre droit par rapport au règlement d'ordre intérieur. Et à chaque fois, il y a toujours une sorte là de nous emballer avec... La fameuse, les frais de fonctionnement ne sort pas, l'assistant parlementaire est toujours payé sur rubrique des fonds de fonctionnement. Au moment où il y a beaucoup de rubriques à l'Assemblée nationale ici, l'argent est là. Et la preuve en est que les bureaux, l'actuel bureau, cette semaine ici, ils ont été payés leurs frais d'installation. Ce n'est pas un petit montant, c'est un montant colossal. Mais pour nous payer les assistants, c'est tout un problème. Quand on vient ici, on vous dit, ça fait au moins 3 mois. Nous sommes des parents, nous avons des familles. C'est pour ça que nous sommes ici pour réclamer enfin que nos droits soient respectés. Et puis, il y a un problème de nomination. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nommés. On vient comme ça, nous n'avons pas de carte de service. Donc, nous sommes là comme un lambeau. À tout moment, on peut nous balayer comme ça sans pour autant avoir un droit pour réclamer. Nous demandons que les règlements d'ordre intérieur soient respectés, qu'on soit nommés officiellement et que nous entrons dans nos droits. Chaque mois, donc c'est ce que vous parlez de 3 mois et les 8 mois viennent d'où? Bon, les 8 mois, c'est-à-dire les bureaux provisoires. Les bureaux provisoires avaient accumulé des mois qui nous n'avons pas touché. Il y a un principe de la continuité de l'État. Au moment où il y a eu les bureaux Jeannine Mabunda, ils ont essayé un peu de ne pas reconnaître ces mois-là. De ne pas reconnaître pour dire que oh, voilà,
il faut suivre les bureaux provisoires. Nous venons à peine d'arriver, on ne peut pas vous payer ces mois-là. Ce qui fait que si nous prenons les 4 mois et puis les compléments, parce que notre salaire a été réagissé depuis le mois de septembre. Il y avait un complément de 200 dollars qu'on devait nous ajouter avec les 3 mois ici de janvier, février, mars, ce qui fait que ça fait à peu près 8 mois. C'est ce que nous réclamons. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, Bandeko Balandi Alingala, Nabanzi, Bomoni Bandeko Ndenge Bazali Kolela, Bafutamite, ça fait 8 mois, Bazomona salaire T, Bazaba père de famille, Yango Baeko revendiqué, Badroit Nabango Kolandana Naba règlement d'ordre antérieur. En tout cas, Bisotoza, question d'actualité, dans le canal Kin Télévision, nous sommes une église au milieu du village. Bandeko Balandi, Tozali, na président, Yaba. Assistant parlementaire Nyonso au Bazako réclamé, c'est ça? Bonjour monsieur. Bonjour. Kopé Sakombo. Comme on a John Tambwe, assistant parlementaire à l'Assemblée nationale en 3e législature. Yondozo représenté Bango Nyonso? Oui, oui. Ok, ma kamni nezo leka. Ah, tout le monde ndeko ba bété sérieusement, tout le monde ndeko Bazako se plaindre kuna ezani nyo. Ndeko oyo aza assistant, aza membre na biso actif. Toyaki lelo selon recommandation ya comité potoza na groupe toza na ba plateforme ebele to communiquer la ka ba assistant nyonso to yebani toza identifié on s'assiste même socialement ce qui moko za na matanga to aboti toza pe na caisse de solidarité na biso to kotizaka toza très bien identifié toyokanaki to kita to ya ko réclamer droit na biso to bandaki banda lobby président atindi ba service na ye ba yebisa biso ke tozonga lelo. Président Mboso Kodia. Président Mboso Kodia Christophe, l'Assemblée nationale, a tenu le service que toi, Lélo, à 10h. Pour le bien de ton manifestaki, tu as fait sous pression. Tu es sur recommandation à 10h. Tu as commis un service à 10h. Tu as fait l'audience. Tu as tenu la police. Tu as fait la police. Tu as fait la police. Tu police et bandit ko bousculer batu bana na bureau na kati kuna ti tokomi libanda nenge tokomi libanda wa babengi biso na kati lisusu na batu kaka ya ye ba collaborateur na ye boya bo pesa document boye conseil administratif précisément ya Kester ya Sénat alobi boya bo pesa plan na bino monsieur Florent Mulumba conseil administratif ya Kester ya Assemblée nationale toye ko présenter document wana babarikade alors que ya zoze la document na kati la police libande zo bare biso nzela ndenge omoni sikoyo na resistance to opposa ki na la police po ifala ki document na biso koma nde komi na buskila de salige ya zoki ndenge azaboy mais na insistance na biso po eza droit na biso tozo reclamer rapporteur honorable Lembi atindi quand même bazo a 3 membres na biso na kati ba koti na kati biso ba misusu to boy ko kende po tension na biso eza bien te ba oyo ake ko représenter biso kuna bazana ba problème bazana cahier de charge na biso ba ko poser problème pa na ye ako komisa makambo wana e pa chef a bureau président ya assemblée nde tozo zela contre andi mais l'état to luka to dégager il faut biloko oyo esila na mboka ba tout ceux qui bazo réclamer droit na bango police ko koma na niveau ya kobanda ko buskila ka batu boye te bazoka ka boye po eza droit na ye aye ko réclamer aza muyibite aza citoyen congolais asalaka na l'état congolais aye ko landa mbongo na ye mais azoka ka boye eza malamu te po aza papa bana aza na mwasi aza na ndako mbongo oyo alandi eza po asivenir na bacharge na ye yango biso tosengi boye na président Mboso poko mona ye azolingo yamba biso te na bino na va ya media boko misela président Mboso asala musala malamu a respecter mibego ya l'état bato ye bazo sala baza baumbu te soki basali musala na bango fo futa mbongo na bango ati kabiloko wana bato ya liboso na ye bazaki nango to assemblée nationale oyo biso eza première législature na biso te tozalaki wana président Minaku akenda na nyongo na biso te mabunda mutu akenda nyongo na biso na ye président Mboso alinga banda kwa kimile ba nyongo na biso tolingi biloko wana te bafuta biso normalement après vérification mbongo oyo eza destiné na peine na biso ese kotaki na assemblée nationale azala mutema malamu
a signé ba libéré ba assistant mazwa mongo na bango ba fanda kimia to lingi boyete état de droit ici yaki mais fuite moko ebimi kolobe tsuki ba menacer bino bongo c'est parce que boza ko couvrir mutu moko na simana bino mutu moko te to ko couvrir te mama ngai mutu na zo yebisa yoyo na za combattant ya makasi président Mboso na Céline na ya communication balobi o eza ba de ba assistant ya ba député PPRD o baza instrumentalisé pour baya ko sala pression sa bureau ya Mboso ngai na za PPRDT na tikala ko kende PPRDT na za PFCCT na za grand combattant problème eza wa bazo réclamer nde mbongo ba assistant ba vota ka bureau te ba assistant ba ko isa ka bureau te ba assistant baza ba collaborateur direct ya ba député bazo réclamer droit na mango wana eza ba échappatoire déjà Céline na ese bandako ko mabiloko wana soki bango ba monique toye ko kwisa biro Mboso babi misa muto ya zana maloba wana na de délégué na biso to fani na plateau to débattre toye bisi bango ke tala biro na bino place e faillir eza awa eloko boende salemite bango bala ki biso ke non oyo e salemaki comme on va sali devoir na bango te yango tozo réclamer biso to vota ka biro te pota kende ko luka o to kwisa biro to kwisa ngonene tozo ba député ta En tout cas, Aukoya. Merci. Merci, Mingi Président. En tout cas, Nabanzi Boyoka qui moko na moko à lobby, peto souki si na président. Quand on est lobara, tant que mokonzi à lobby, moto monsou sa baïk sa malobate. En tout cas, to sepel Mingi. Ba peuple congolais, ba o bolandarabiso na mikili ya poto, bolandarabiso partout, to ebike ba konzi pe bozo landabiso parce que mi soupe motema na bino ilala na canal Kin Télévision. Donc, na kati ya question d'actualité, to za wana poto ko meme la bino ba information brut, nenge to zoeli ango nenge pe to pese la rabino. Na banzi boyo ki très bien kole la ya ba père et de famille, ba responsable et pe ba assistant parlementaire. Donc, bango tende ba kokwe isa bureau. Kodi ya Mboso, bango baza na pouvoir wanate, bango bazo senga kaka, mbongo na bango, oba benga kanzivu na bango, yangonde baza ko reklame. Merci mingi, bo like, bo partage, bande ko balandia canal Kin Télévision, pe chaîne YouTube. Merci na confiance, pe merci na tan obo, pe si président, merci. Merci madame, merci beaucoup. Ok, bonne suite. Merci.